Je suis Martin Etienne, architecte illustrateur. J'ai travaillé pendant 10 ans dans des agences d'architecture et puis suite à ça, j'ai eu à un moment donné un petit ras-le-bol et donc j'ai ressenti le besoin de m'accorder une pause. Et cette pause, ça a été l'occasion de me remettre au dessin et à l'illustration. Et donc au début, un peu sous forme de loisir, de hobby, puis petit à petit, cette activité oisive est devenue mon métier. Donc maintenant, je travaille en tant qu'illustrateur pour des architectes, urbanistes ou des intervenants de la maîtrise d'ouvrage. Voilà, donc les dessins que je présente ici sont de trois types. Il y a des dessins qui sont sortis de mes carnets de croquis, parce que j'ai une activité quotidienne de dessin où je croque en flânant, en étant libre, mes heures libres. Il y a des dessins qui sont des dessins de commande, donc là vraiment de l'illustration pour des architectes, pour illustrer des projets. Et puis il y a des dessins que je réalise pour une revue d'architecture qui est la revue Criticat, dans laquelle je publie régulièrement des visites dessinées où je vais me balader dans des lieux. Des projets et avec un regard critique, mais que je retranscris sous forme de carnet de voyage ou de bande dessinée.